Bon, ben bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que je prends pas la GoPro au bord de l'eau, mais c'est pas mal. La fonte de neige vient de se terminer. Donc on est parti avec Alexis, qui est juste devant, pour une petite session Toc 9 en Grande Rivière, sur des spots qu'on connaît pas forcément, des secteurs qu'on a soit pas prospecté cette année, soit des secteurs qu'on n'a jamais fait, parce qu'il y en a quelques-uns aussi qu'on n'a jamais fait. Avec la crue, il y a beaucoup d'endroits qui ont changé, avec la crue qu'on a eu en janvier. Donc on va essayer de se faire ces secteurs-là, essayer d'attraper quelques poissons, trouver les nymphes qui fonctionnent. Et ça devrait être pas mal, j'espère qu'il y aura quelques poissons actifs malgré le grand soleil, il fait chaud. On arrive, il y a une grande veine d'eau juste à côté de nous. Et on va essayer d'aller voir un peu plus bas, si ça passe. Pour essayer de trouver d'autres veines, d'autres endroits qu'on connaît pas. Allez, c'est parti. C'est vrai qu'il y a des spots sympas là. Bon, ça pêche bien. Ouais, pas beaucoup de postes de tenue là sur la partie basse par contre. Mais... Ah oui, tu fais tous les gars les pierres là. Ouais, en fait, à chaque fois il faut tomber derrière les pierres. Je fais tout ça là, boule. Pas envie de poser là. Pas trop de fond et tout. Hein. Un peu trop clair pour qu'elle soit là en ce moment. Par le soir. Ouais, ouais, mais c'est beaucoup de sens. Ouais, c'est beaucoup de sens. Ouais, ça va pousser un peu au milieu quand même. Ouais, mais c'est beaucoup de sens. Putain, pour la sèche là-dedans. Là. Poisson! C'est une toute petite! Comment elle s'est piquée? Elle s'est piquée par la nageoire! Allez, ma petite! Viens par là, viens par là, viens par là, viens par là. Arrête de bouger. Hop là. Désolé ma petite, je sais pas comment tu t'es piqué. Poisson. C'est une belle. Putain, on a rien d'eau. À la tombée, ma prise. Ok, sur celle-là. Ma foi, intéressant. Un beau poisson. Hop. Tac. Voilà. Poisson qui fait what, un bon 35. Cool. À la tombée. Les nymphes ont atterri dans l'eau. Elle a pris direct. Bon, mais là, j'ai fait du coup, dès que j'ai atterri dans l'eau là-bas, en tête de courant, elle a pris à la tombée direct. Mais je pense que j'ai vu plusieurs poissons à des moments décalés sur ma nymphe. Il y a un truc à creuser. Je vais continuer un petit peu avec ces nymphes-là, mais je vais quand même vite changer. Je vais garder celle qui a fonctionné. Et je vais mettre des choses... en termes de couleurs qui ressemblent un petit peu sur des nymphes peut-être plus petites. En termes de couleurs, déjà celle-là, elle l'a prise direct. Voilà. Allez, on va essayer avec ça. Tac, tac, c'est reparti. Poisson. Oh mince.
Elle est encore là. Elle vient de prendre la 9 que je viens de mettre à l'instant sur la potence du haut. Ça, c'est une très très bonne indication. Comme quoi, il faut vraiment pas hésiter à changer de 9. Elle l'a bien prise. Hop là, joli petit poisson. Ils sont là, faut juste trouver les 9 qui fonctionnent. Donc là, on a potentiellement 2 9 qui fonctionnent sur la ligne. J'en ai une. C'est une belle. Oh ! Non ! Non ! Décroché. Non ! Il y a des gros blocs là, je suis obligé de tirer vers l'amont. Enfin, vers la canne bien haute. Ah ! C'était une belle. Oh, je la perds. J'ai... C'est une belle. Ah, putain. Décidément. Allez, petite. Et une petite. Mais c'est un joli petit poisson. Hop là, elle est repartie. Poisson. Ah, je la perds. Tendu. Je vais décrocher. Je le sens venir. Hop là. Allez, viens par là. Voilà. Petite truite. Avant que l'orage arrive. Oh, elle est pas grosse. Hop là. Elle est pas grosse. C'est une tête là en fait.
une petite. Elles attendent les gobages. Oh, c'est beau. Là ? La poisse aujourd'hui ! Ça faisait absolument pas 45. Ça faisait même pas 40. J'aurais parié pour ça. Non mais j'ai la poisse aujourd'hui. Bah en fait c'est ça mon problème, c'est que j'ai... Voilà. Donc là, regarde. Là, ça va, je tire pas trop fort dessus. Là, je tire pas trop fort dessus, ça va. Voilà. Alors soit elles se réveillent, soit elles sont vraiment là en tête. Hein. Loupé. Ça ressemble bien. Voilà. Et là, elle s'est mise dans le bout de bois, ça va, elle est sortie. Elle était en train de se mettre dans le bout de bois là. Ah, je tire pas là. Toujours la même, hein. Tu fais la canne. Une belle robe, mouchetée. Elle va tout me faire un sac de nœuds là. Un point bleu, hein, comme ça. Ah non. Tac. Voilà, un joli petit poisson. Tu fais quoi, 40? Ah, un peu moins, ouais, 38. Ah, hein? Ah, elle y est. Elle y est. Elle est 39. Une belle robe. C'est un peu plus gros ça, je pense. Elle va me faire les obstacles. Oh putain, il est emmêlé. C'est bon.
Elle va me niquer si je lui tire pas dedans. Voilà. Hein ? Bon ben voilà, fin de cette petite après-midi de pêche. Bon ben clairement j'ai été mauvais, hein. J'ai pas été foutu d'en sortir, à part quelques petites. Les beaux poissons je les perds tous, ça arrive, j'ai merdé, on apprend de ses erreurs. Bon en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, avec le soleil, même si on a pris un petit orage. On est sur des conditions d'été, des eaux chaudes, des poissons dans le courant. Des poissons qui s'alimentent pas toute la journée, mais à des moments précis, on a eu un pic d'activité là sur la fin. J'enchaîne 4 ou 5 poissons en très peu de temps. Donc en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, c'est le petit like, le petit partage. Si vous aussi, vous voulez réserver votre journée de guidage, je vous mets un lien en description pour pêcher au top 9 par exemple. N'hésitez pas à me contacter. Allez, ciao ciao.